C'est un jeu? Vous dormez vraiment? Prince. Prince. Oh. Je m'étais endormie. J'ai eu si peur d'être en retard que je suis arrivée quand il faisait encore nuit. J'ai vu le jour se lever. Saviez-vous qu'au petit jour où les arbres prient, j'ai senti pour la première fois de ma vie. Et vous dormiez? Je viens en cachette, le cœur battant. Comme vous m'attendiez mal. Je dormais, c'est la vérité, mais y a-t-il une manière plus confiante de vous attendre? Comment se fait-il que pour vous, tout soit toujours si simple? Et pour les autres, si compliqué? Pour vous aussi? Prince, il n'est pas facile d'être une jeune fille bien élevée. On les prend pour des sottes chez elles et au dehors. Sans passion parce qu'elles se taisent, sans volonté parce qu'elles obéissent. Je ne veux pas être la fille d'un général. Je ne serai jamais ce que mon père a décidé. Quand il a pris l'icône pour me bénir avec Totski, attendez que le ciel devienne tout noir, que la foudre tombe. J'ai entendu votre voix. Depuis ce moment, je vous attends. Je sais. Répondez-moi d'un mot. Est-ce que vous m'aimez? Oui. Saviez-vous que je vous aime? Oui. J'aurais tellement voulu vous dire. Prenez-moi par la main et emmenez-moi où vous voulez. C'est ainsi que devrait se passer entre nous. Prince, ce n'est pas ma faute. Il faut d'abord que vous me conduisiez chez elle. Chez elle? Je veux la voir avec vous. Je n'ai que deux mots à lui dire. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Elle vous aime, je le sais. Mais vous... Comment vous expliquer? Je donnerai ma vie pour lui rendre la paix de l'âme. Mais je n'ai pas d'amour pour elle.